Les édulcorants de synthèse, donc c'est par exemple l'aspartame, l'acésulfame de potassium ou la saccharine, ce sont des composés chimiques, hein, des produits de synthèse qui sont ajoutés donc pour remplacer le sucre et pour apporter une saveur sucrée. Eh bien, sachez que ces édulcorants-là, ils ne font pas bon ménage avec le microbiote. Le microbiote, c'est quoi? C'est notre flore intestinale dans notre ventre, dans notre intestin. Nous avons des milliards de bactéries qui vivent en symbiose avec nous et qui sont nos bactéries amies pour notre santé et pour notre bien-être. Eh bien, le problème, c'est que quand ces édulcorants de synthèse, ils arrivent dans l'intestin, ce sont des composés qui ne sont pas connus, tout simplement. Ce ne sont pas des composés naturels. Donc, ce n'est pas reconnu par le corps et ça perturbe le fonctionnement du microbiote. Ça altère même le microbiote en lui-même. Ça crée de l'inflammation et